Salut les amis, c'est Monsieur Nour, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Call of Duty Infinite Warfare les amis. On continue notre let's play bien sûr, on enchaîne les épisodes les uns après les autres. Je n'ai toujours pas monté tous les épisodes, je pense que je le ferai tout d'un coup et que je vous mettrai ça pareil, plein d'épisodes à suivre pour que vous puissiez le suivre entièrement et rapidement comme moi je l'ai enregistré entièrement et rapidement. Voilà, on se dirige vers la table pour choisir notre prochaine cible. Et peut-être qu'aujourd'hui on va partir sur l'objectif principal les amis, histoire de faire un petit peu avancer l'histoire peut-être. On nous dit quoi? On nous dit quoi au niveau du pourcentage de réussite de cette mission? 77%. On va peut-être faire autre chose. Là on est à 83%. Là on est à 83%. 88%, il n'y a rien à 90, on doit être par là à 90 sur Pluton. 84, 81, donc on va aller sur la Terre, c'est ça? C'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Hein. 88, voilà, on va faire celle-ci. Neutraliser les destroyers ennemis, escadron destroyer 7 def, ok, amélioration de Jackal 1, prioritaire 2. Chance de réussite 80%, bah écoutez, on va la lancer. Allez, c'est parti! Les destroyers du 7 def assiègent un avant-poste portuaire capital. On a un escadron d'alliés sur place, mais ils auront besoin de renforts. Il faut les rejoindre et neutraliser les destroyers. Si on perd l'avant-poste, on pourra plus approvisionner notre port lunaire. Ok, bah écoutez, on va suivre les recommandations. De toute façon, c'est pour... apparemment, ce sera du combat spatial, hein, du Jackal. On ne propose pas d'autres armes. Donc à mon avis, c'est que du combat spatial. Et moi, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup ce combat spatial. C'est vraiment très très pas mal. Prêt pour le balai aérien. Tout comme je kiffais bien aussi les combats spatials dans SW Thor, le MMO hein, qui est sorti sur PC, Star Wars. J'ai beaucoup aimé les combats spatiaux proposés. Et là, sur Call of Duty, pareil, je kiffe bien. Je kiffe bien les combats. C'est pas très compliqué à comprendre, c'est assez cool, ça se manie très très bien, c'est très très maniable. Franchement, il y a vraiment vraiment vraiment... Hop, c'est parti. C'est parti avant le truc, mon gars, eh ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me rappeler ou pas? Avant-poste portuaire à 12h. Multiples vaisseaux capitaux du 7F. Ok, c'est parti, on prend les cibles. Leur destroyer, mettez le paquet. Scar, on va le faire tant qu'il est chaud. Je te suis, Raider. Ok, on y va, allez, c'est parti. Je veux bien, moi, mais... Ok, je me casse, arrêtez. Allez, salut! J'ai un lance ennemi en visuel. Je me le fais. Dégâts, on se tire, on n'a plus de l'heure. Il me reste 3 missiles. J'ai personne là. Raider, démolis-moi ces scalpers. Menace à 2h. Boum, ça c'est fait. Toi, tu vas pas m'échapper, mon pote. Voilà, je te l'avais dit. T'as le pilote d'élite en ligne de mire, Raider? Non, mais par contre, il me faudrait. Voilà. Faudrait un petit drone s'il vous plaît, ça m'arrangerait bien. Là on a plus de missiles, on a plus de leurre, c'est la merde. Alors objectif, skelter du 7 def, destroyer du 7 def et pilote d'élite du 7 def, ok. Arrêtez de me tirer dessus bordel.
Oh, c'est la merde, c'est la merde. Dégomme les scatters. Ouais, ouais, j'arrive, j'arrive, j'arrive. C'est quoi le skelter? Moi je veux bien, moi, mais arrêtez de me tirer dessus, bordel. Dégomme les skelters. Ennemi abattu. Capitaine, skelter abattu. Le ciel est dégagé. Bon travail tout le monde. Il reste un as. Dégomme cet enfoiré, Raider, je te couvre. Reçu, je vais pas le louper. Ok, toi tu dégages. Négatif, ne vous occupez pas de nous. Compris. T'es eu, as abattu. Fais le ménage. Ici un, deuxième missile. Ah, j'ai plus rien. Appelez-moi un drone. Ouais, j'arrive, j'arrive. Juste un drone, s'il vous plaît, merci. Allez. Cible marquée, missile tiré. Allez mon pote. Et je bouge, il me faut un drone. Et on y retourne. Alors le destroyer, qu'est-ce qu'il fait? Touché. Eh ben il fume. Encore un dernier. Scar, concentrez vos tirs sur le dernier destroyer. On envoie à la casse. Vise leur destroyer, Raider. Missile 3, missile 3. N'inquiète pas Kiki, c'est qu'est-ce que je suis en train de faire. Contre mesure. Alors qu'est-ce que tu vas faire le destroyer? Ah non, je suis rechauffe d'armes, merde, j'ai fait le con. Il me reste deux missiles en fait. Ici un, deuxième missile. Voilà, maintenant on va recharger. Envoie un drone. On veut un drone, s'il vous plaît. Allez le drone, dépêche-toi. Redonne-moi de la puissance. Allez, salut! Premier lieutenant Attila, c'est fini pour toi! Plus d'appareils ennemis dans la zone. Station sécurisée. Nos alliés détiennent toujours l'avant-poste. Grâce à vous, hein, 4-1. On a des as sur qui on peut compter. Tout à fait. Mission accomplie, enlève le camp. Fever, après toi. Tout pareil pour les Jackal. Terminé. Il est où le rétribution? Je veux bien, moi, mais il est où? Par là-bas. Allez, on y va, on rentre à la maison. Tour, ici 1-2, Scar en approche. Reçu, les Jackals ont la permission d'atterrir.
drone d'atterrissage est en place pour vous, capitaine. Train sorti pour le drone. Ils ont réussi. Bienvenue. Ça, c'était sympathique. Petite mission assez courte. Mais voilà, c'est cool. On va aller voir vite fait la télé-réalité comme d'habitude. Salut! Salut les potos! On peut s'asseoir? Ah non, on peut pas y aller quoi, c'est dégueulasse. Soir de l'UNESA contre le front de défense des colonies. Des unités SCAR ont pu récupérer un armement top secret de la SATO qui avait été dérobé quelques heures avant l'attaque dévastatrice sur Genève. Les responsables de la SATO n'ont pas souhaité s'exprimer sur la nature de l'armement retrouvé ni sur le sort des techniciens alliés disparus. Ces derniers auraient été enlevés sur le site où la technologie de la SATO a été dérobée. Nous ne manquons pas de vous tenir au courant dès que nous en saurons plus. C'était Jérôme Davis pour IW News. Ok, sympathique. Bon allez, on va vite fait dans la chambre faire finir l'épisode, bien sûr. Enfin, dans mon bureau, c'est pas une chambre, arrête. Allez. Le capitaine est aux commandes. Les équipes de récupération ouais, salut. Ont bientôt fini. Le capitaine va se coucher, à la prochaine. On va aller voir bien sûr le tableau des cibles prioritaires, hein, bien sûr, vu qu'on en a tué encore quelques-unes. Qu'est-ce qu'on a eu? Rien. Ah si, là on a eu Attila Zalani, grade premier lieutenant, ça c'est cool. On en a eu un ici, Karl Drone, lieutenant, ça c'est cool. Et lui non? Tarasemin, on avait lui déjà? Ah non, c'est peut-être là. Nicolas Rado, major, voilà, on l'a eu. Allez, on t'a eu mon pote. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Un petit épisode un peu court, mais il en faut aussi. Il y aura des missions qui seront très très courtes. On va continuer comme ça. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr partager, liker, commenter comme d'habitude. On se retrouve très bientôt pour la suite de Call of Duty Infinite Warfare. Je vais y arriver. À la prochaine, salut, bye bye.